Pas beaucoup encore. Une. C'est une expo, enfin tu les vends. Sont à toi. Tu veux dire que tu les as payés. Tu les as volés. T'en as apporté combien aujourd'hui? Tu veux dire qu'on n'en a vu que trois. J'ai le sentiment qu'il y en avait plus, non? Quatre guitares. Laurent, s'il te plaît, apporte-moi l'autre. Laurent. Là, moi, je ne fais plus rien. On va voir, hein. C'est un cadeau d'anniversaire offert par deux collègues. L'un a écrit des paroles de chansons, j'ai écrit un certain nombre de textes avec lui sur le dernier album, il s'appelle Boris Bergman. Et l'autre joue de la guitare, c'est lui qui l'a choisi. Je me demanderai toujours pourquoi il m'a choisi une 12 cordes, lui qui n'en joue jamais, puisqu'il s'agit de Paul Persson. Donc, quand Boris Bergman et Paul Persson m'offrent un instrument de musique, je le regarde sous toutes ses colures, parce qu'il se peut que n'importe où, dessus, dedans ou à côté, soit tapis une chanson qui n'attend qu'une chose, c'est de me passer par la tête. Et c'est ce qui s'est produit avec cet instrument. Seulement un cadeau d'anniversaire, faut pas que ça arrive tout seul. Alors pour jouer cette chanson, on va s'offrir deux guitares supplémentaires. Seulement comme avec Jean-Félix, on n'a pas huit bras, on va demander à deux guitaristes de venir les jouer. L'un s'appelle Michel Aumont. Et l'autre, Manu Galvin. Michel Aumont. Manu Galvin. La guitare à Paul.
après ce trop bref intermède musical, revenons à ce qui nous préoccupe.